Placer les nombres suivants sur la ligne numérique. Alors, on a 5, 1 tiers, 1,2, 0, 2,25 et 4,1. Bon, on va commencer par le premier, hein, le 5. Alors 5, c'est 5 unités à partir de 0 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ici. Et en plus, c'était déjà écrit. Alors, le deuxième maintenant. Alors, pour placer le deuxième, c'est 1 tiers. Il est entre 0 et 1. Et euh, pour le placer, on va, couper le, on va couper la partie entre 0 et 1, 0 et 1 en, en 3 parties. Alors, on y va. Alors, on a 1, 2, 3 parties. Voilà, 3 parties égales. Bon, ce n'est pas très bien fait, mais c'est 3 parties égales. Et donc, 1 tiers, il est ici. Voilà. Ensuite, 1,2. Alors, 1,2, il est à 1. On, 1 il est un peu plus à droite que 1, et il est un peu plus à droite de 2 dixièmes. En fait, pour bien le placer, il faudrait partager le segment entre 1 et 2 euh, en 10 parties égales, donc ça serait les dixièmes, et puis on choisirait 2 dixièmes. Donc ça serait à peu près ici, disons 1,2. Voilà. Alors le 0, bon, le 0 c'est le plus simple, hein, euh, il est ici, voilà. Ensuite, alors on a 2,25. 2,25, c'est un petit peu plus que 2. Mais donc c'est un peu plus à droite que 2. Donc il est entre 2 et 3, il est par ici. Mais pour savoir vraiment où est-ce qu'il est, qu est ben on va, on va l'écrire un petit peu différemment. On en a 2,25. Ben c'est 2 plus 25 centièmes. D'accord Et ça, en fait, c'est... 2 plus 1 quart, puisque 25 centièmes, c'est 1 quart. Donc, en fait, une fois qu'on est à 2, il faut faire 1 quart de la distance qui va jusqu'à 3. Donc, il faudrait partager cette partie-là, le segment entre 2 et 3, en 4 parties égales. Donc, on va le faire. Alors là, je vais le couper en 2 comme ça. Et après, je coupe chaque moitié en 2 aussi. Donc là, je vais couper en 4. Voilà. Et du coup, notre 2,25, il est ici. Il est à 2 plus 1 quart, c'est-à-dire ici. 2,25. Voilà. Alors, il nous reste le dernier. Le dernier, c'est 4,1. Alors, 4,1, il est un peu plus à droite. Il est un peu à droite de 4. Et en fait, pour le placer, est à, il est à un dixième de 4 vers la droite. Donc, il faudrait euh, découper le segment entre 4 et 5 en 10 parties égales. Et compter une partie. Ça serait à peu près ici. Voilà. 4,1. Et voilà.